Première fois dans les enfants de la télé. Bienvenue. Parole, parole, je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Ça? C'était fait exprès ou pas? Bien sûr. Ah. Bah oui, c'est le concept, c'est avoir du style quoi qu'il arrive, même quand on se prend une porte dans la figure. Parce que moi, ça m'arrive. Je suis repartie avec un bleu comme ça. Je pense à la hanche parce qu'en fait, le truc, c'est de mettre la hanche d'abord. Ouais, vaut mieux la hanche que le nez. Pour faire l'impact. Comédienne. Comédienne, toujours. Lucie Lucas, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Mais c'est moi. Et c'est vrai qu'on vous consacrait à l'affaire Pauline Dubuisson, La Petite Femelle. C'est un roman adapté à la télévision, mais un roman aussi à l'affiche de ce téléfilm. Que vous... Si là, effectivement, il y a une mise en scène téléfilm, il y aura un documentaire et des images de l'époque lundi soir à partir de Lucas, ici présente. Okay. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que vous avez fait Clem. Pourquoi je parle de Clem? Parce que on vous a prévenu. Le couvre-feu, je sais pas. Non, mais là, il n'y a rien de sexuel dans cette histoire. Oh non, la musique, ah non, justement. Alors pourquoi la musique? Sexuel, hein. C'est vrai que... Oui. Et il y a déjà enregistré ou filmé d'autres épisodes, d'autres saisons? Oui, oui, on est en plein tournage. Là, on est en train de finir la saison 11. Bon, mais ça, c'est sur une autre chaîne. Pour l'instant, on mais vous là, garde. Quand même. Quoi? Non, je voulais juste dire qu'on avait perdu la clé des loges, en fait, et qu'il fallait, il fallait se changer d'urgence, et donc oui, on a... Vaut mieux pas se justifier, ouais, ici, non. Tu sais. Et il est... C'est parce qu'il est seul, non. Je sais pas si pour rire. Ah, ça date d'il y a 11 ans, hein. C'est pas si vieux que ça, mais quand même. La compagnie des aléas, ça vous rappelle quelque chose? Mais ça, oui. Et oui. Bon, sûrement, c'est pas non pas... Non, c'est pas très grave. Ça, c'était Horowitz, c'est ça? Ouais. Horowitz mis en pièce, Paris Saint-Germain à l'époque. Oui, tout à fait. Alors, on